Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur My Mental Age. Donc c'est quoi My Mental Age? C'est un test d'âge mental tout simplement. Donc je vous avoue que je vise le 25 ans. Donc non, reviens la capuche. Allez, je vise la vingtaine. Parce que j'ai 22 et du coup j'ai pas envie d'avoir 80 tout simplement. Donc du coup on va commencer change. Non bah c'est bon, on est très bien, on est sur du français, pas besoin de plus. Miley Cyrus est tellement has-been, un peu osée, plutôt charmante, tout ce qui ne va pas chez les jeunes de nos jours, une victime. Ah. Si ça commence avec Miley Cyrus, effectivement on n'est pas dans la merde. Donc bon, tellement has-been, non. Elle est pas has-been. Un peu osée. J'aurais pas dit un peu. Voilà, donc du coup, je ne peux pas la cocher. Plutôt charmante. Avant, oui. Mais maintenant, tout ce qui ne va pas chez les jeunes de nos jours. Non, faut pas dire ça, une victime. Bon, un peu osée. Bon, allez, on va dire un peu, mais moi, je suis pas trop de cet avis. Vous oubliez où vous avez mis vos clés. Sélectionnez. Peut-être une fois par an. Jamais, je les garde toujours attachés à une chaîne. Déjà deux fois aujourd'hui, rarement, je les mets toujours au même endroit. Donc moi, c'est direct, ce n'est pas je les mets attachés à une chaîne, parce que bon, je veux pas les attacher à une chaîne. Donc moi, c'est rarement, puisque je les mets toujours dans mon sac. Comme ça, il n'y a pas de peine, il n'y a rien, on les paume pas dans mon sac. Par contre, si je change de sac, là, je peux les oublier, mais normalement, non. Donc toujours dans le sac, ça, comme ça, je suis tranquille. Vous pensez qu'un régime de retraite, c'est pas ce que vous pensiez que ça serait? Important, quelque chose qu'il est bon de prendre en compte pour plus tard. Si, quelque chose qu'il est bon de prendre en compte. Mais moi, j'ai 22 ans. Donc la retraite, j'y pense pas forcément maintenant. Donc moi, je dirais pour plus tard. Donc pour plus tard, quand Kiki sera mamie Kiki, tout simplement. Voilà, c'est tout. Vous planifiez de faire une fête chez vous. Vous pensez informer vos voisins. Oh, la gentille voisine. Hein. Vous assurez qu'il y a suffisamment de chaises. Ouais. Découvre. Alors déjà, les chaises, non. Non, j'en ai rien à foutre. Je veux pas aller, si j'invite 30 personnes, je veux pas aller acheter 30 chaises chez Ikea, d'accord? Donc on rigole, machin, si t'as envie de t'asseoir, tu t'assois, mais y a pas 30 chaises, mon gars. Découvrons où se trouve la vodka la moins chère. Donc pour information, déjà, je ne bois pas. Donc je perds ma capuche lapin, c'est très désagréable. Voilà, je vais la laisser comme ça. C'est très désagréable, je la perds. Donc du coup, découvrez où se trouve la vodka la moins chère. Ça, c'est pour les gros rapias, mais genre la classe bien au-dessus. Donc ça, c'est les gros rapias. Donc déjà, je ne bois pas d'alcool. Donc déjà, je peux... Oui, si on rigole avec Kiki, c'est pas parce qu'on boit pas d'alcool qu'on rigole pas. Donc déjà, tu la barres, celle-là. Donc faire une liste de personnes que vous n'allez pas inviter. Oh, tout de suite. C'est que j'aime pas les gens, mais quand même. Planifier à quel jeu vous... Ah, ça. Planifier à quel jeu vous allez jouer. Ça, voilà. Voilà. Donc, après... C'est vrai que si tu fais une fête, techniquement, si t'informes tes voisins, hey, tu fais une fête, on va être un peu bourré dans la soirée, machin, ok, là, d'accord. Mais, techniquement, vu que je ne bois pas, déjà... Bon ok, il y en a peut-être d'autres qui boivent, mais ils ont qu'à ramener leur alcool, je vais pas acheter de l'alcool. Donc du coup, personne ne va être torché. Et si je fais, admettons, une soirée jeu vidéo, normalement, c'est bon, il y aura pas de bruit. Donc j'ai pas besoin de prévenir les voisins, à part si on est sur un Rocket League, sur un CS, là il peut y avoir des tensions légères. Donc je vais juste planifier à quel jeu on va jouer. C'est tout. Vous voyez quelqu'un tomber dans la rue, vous, l'enculé, riez. Vous riez, courez pour vous assurer qu'il va bien. Remerciez le ciel, ça n'est pas tombé sur vous. Secouez la tête et pensez, bouffon. Ah, mais alors ça dépend. Alors ok, donc ça dépend, je vous explique le contexte. Si admettons c'est un gros qui vient, admettons qui m'a maté ou qui m'a parlé comme une merde dans la rue, parce que ça arrive, hein. Enfin, ça arrive qu'il y ait des gens comme ça, moi ça m'est pas arrivé. Enfin, si, il y a très longtemps, mais c'est tout quoi. Donc, admettons, le mec là se casse la gueule, il serait tam. Là, franchement, je secoue la tête et je fais bouffon. Non, voilà. Ok, là d'accord. Bon, si c'est une petite dame ou même une personne qui n'a rien fait, qui était tranquille dans la rue, qui se casse la gueule, là je pense courir pour m'assurer qu'il va bien. Je vais pas rire. Parce que bon, on sait jamais, ça peut être grave aussi.
Et remercier le ciel. Ah non, par contre, remercier le ciel, ça n'est pas tombé sur vous. Tu sais, j'imagine trop. T'as une grosse plaque de verglas. T'as une chance sur deux de te ramasser. Et c'est ton voisin qui va se ramasser. Là, tu fais. Ah, oh, merci Jésus. Ouh, merci. Et là, tu t'en vas, tu sais, tu continues. L'autre, il s'est pété une jambe à côté de toi. Non, je vais courir et m'assurer que la personne va bien. Voilà, c'est tout, tout simplement. Twitter, c'est déroutant, essentiel, inutile, ennuyeux. Ça me réveille le matin. Ok. C'est essentiel. Twitter, c'est quelque chose d'essentiel. Autant on aurait mis Facebook, là par contre j'aurais dit c'est inutile. Mais Twitter, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, polémiquement, vous êtes conservateur, vert, républicain, socialiste. Est-ce que je peux partir ou demander un joker ? Parce que je suis rien du tout. Moi, la politique, enfin... Voilà, moi je suis pour moi-même, tout va bien. Non, conservateur, vert... Républicain, socialiste. Ah, je vais dire vert, allez, parce que l'écologie, c'est important, la planète, ça fout le camp. Allez, voilà, l'iPad est révolutionnaire, un gadget inutile, cher, cool, quelque chose qui aide à fuir les moments gênants. Ok, bon, alors, je n'aime pas, faut savoir, je n'aime pas iOS, je n'aime pas les iPhones en, de manière générale, tout comme les gens qui n'aiment pas Samsung, parce que c'est de la merde. Moi j'aime pas, c'est mon avis personnel, je critique pas après ceux qui en ont, même si quand je passe devant un Apple Store, je fais... Oui bon bah c'est bon, j'ai le droit. Donc du coup, c'est vrai que bon, ça m'arrive. L'iPad, bah... Je parle de l'iPad, attention, je ne parle pas de la tablette en général, parce que les tablettes, c'est vachement pratique quand même. Je trouve quand t'es dans le train ou un truc comme ça, ça prend pas de place, tu peux mettre un film dessus, ou tu peux noter des mémos dessus, tu peux faire beaucoup de choses dessus, aller sur internet et autres. Donc l'iPad en lui-même, pour moi, c'est cher, tout simplement. Je vais mettre cher parce que je trouve que... Enfin, je sais pas, c'est le prix de... Même les Samsung, hein. Mais je trouve que iPhone, c'est vraiment... affreux. Les prix, c'est, je trouve que c'est vraiment très très cher, quoi. Enfin, moi, j'ai vu le dernier iPhone qui est sorti, ou même leur PC. La vache, tu veux acheter la souris qui vient de chez eux. Oh, le prix, laisse tomber. Donc, moi, pour moi, c'est cher, tout simplement. C'est quelque chose qui est cher. Alors, dire très été... Oh là. Le paradis du air guitar, qui, ringard, contrairement aux musiciens actuels, ils savaient jouer des instruments. Je vais juste mettre qui, parce que je sais pas qui c'est. Et ça se trouve quand je vais taper, parce que moi je suis nulle en nom. En fait, tu me dis un nom comme ça, moi ça me dit rien. Il faut que je vois l'image ou quelque... pour me dire ah ouais, c'est machin. Donc là, le nom ça me dit rien du tout. Ça se trouve quand je vais taper sur un tête après, je vais faire qui, honte à toi. Donc je vais juste marquer qui. Voilà. Donc on est déjà à la question 10. Et je vous dis, je me fixe moi un petit 20 ans. 20 ans, 25 ans. On sera banco. La meilleure façon de devenir riche, c'est. En gagnant l'auto, en travaillant dur, en devenant footballeur, en étant chanceux. Bon, alors, en gagnant l'auto, c'est une probabilité, mais je crois que c'est 1 sur je sais plus combien de millions. Donc c'est une probabilité très fine quand même. En travaillant dur, ça par contre, ce n'est pas une probabilité, c'est vrai. Même s'il y a des gens qui travaillent très dur dans la vie et qui malheureusement ne gagnent pas assez. En devenant footballeur, ça, ah oui, ça, hein, on en reparlera des footballeurs qui gagnent je ne sais combien, hein. C'est vrai que les mecs, moi je trouve ça un peu aberrant au niveau des footballeurs. Ils gagnent je ne sais pas combien juste en tapant. Enfin bref, c'est mon avis. En étant chanceux, ça j'y crois moins. Donc pour moi, je vais dire en travaillant dur. Parce qu'en gagnant au loto, il y a ta moins de chance quand même. Bon, j'en ai marre. Je perds mes oreilles, ça commence à devenir fortement désagréable. Je vais le premier ministre, président actuel, semble trop jeune. Ok. Vieux. Oh là, je ne veux rien dire. Je vais juste répondre quelque chose de simple, efficace. Ok. C'est tout. Ce qu'il y a de mieux à la télé, c'est les chaînes informatives 24h sur 24, les experts, les Simpsons, Family Guys, la maison de secret X-Factor, etc. Les documentaires sur la nature, il n'y a rien de bien à la télé. Bon, alors déjà, les chaînes informatives 24h sur 24, je ne supporte pas ça. C'est affreux. Déjà, j'aime pas les informations en règle générale. Moi, je regarde sur Twitter, je m'informe sur Internet, mais je déteste les informations en général.
J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Les experts, je déteste cette émission. Moi, tout ce qui est les trucs, les experts à Miami, Manhattan, je sais pas quoi, NCIS, je déteste les enquêtes criminelles. Je n'aime pas ça. Les Simpsons, Family Guy, ça, j'aime bien. Moi, je sais qu'il y a tout American Dad. Dès que ça passe à la télé, je sais, je me mets devant et là, je peux regarder pendant des heures. J'adore ça. La Maison des Secrets, X Factor, etc. Je déteste les trucs de Secret Story et tout. Quand j'étais plus jeune, je regardais. Maintenant, je déteste ça. X Factor, par contre, ça peut être bien, mais vraiment à petite dose, pas plus. Les documentaires sur la nature, ça j'aime bien, parce que je trouve qu'on s'informe vachement sur la planète dans laquelle on vit. Par contre, il n'y a rien de bien à la télé, ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien de... Non, allez, les Simpsons Family Guy, je vais mettre, parce que j'aime bien ce genre de truc. Vous lisez qu'Apple vient de lancer un nouvel iPhone. Vous pensez, encore un autre, je le veux maintenant. Est-ce que la batterie tient plus longtemps? À quoi ça sert, ce n'est qu'un téléphone? Mais... J'ai pas envie de dire encore un autre parce qu'étant donné que je suis chez Samsung, Samsung aussi sort, enfin, même il n'y a pas que Samsung, toutes les marques maintenant, toutes les années, ils sont en train de se renouveler en fait. Donc tu sais qu'à chaque année, comme les films, il va y avoir un nouveau film, il va y avoir un nouveau téléphone, il va y avoir un nouvel iPad, il va y avoir une nouvelle génération de téléphone, enfin d'écran, de PC, tout ce que tu veux. Donc je le veux maintenant, certainement pas. Est-ce que la batterie tient plus longtemps? À quoi ça sert, ce n'est qu'un téléphone? Ouais, moi je vais juste dire, est-ce que la batterie tient plus longtemps? C'est tout. Juste poser cette question, con. Bon, je crois que je vais l'enlever parce que il ne tient pas. C'est tout, il ne tient pas. Les casquettes de baseball se portent mieux en avant, en arrière. Ah, je veux dire devant. Même si j'adore... En fait, j'adore les deux. Voilà. Mais je veux dire en avant, mais j'adore les deux. McDonald's est un lieu de rencontre sympa. Ils sont couchés mythiques. Un petit burger entre deux personnes. Ok pour manger sur le pouce. Dégoûtant, sympa et chaleureux. Donc pour moi, déjà, c'est même pas un lieu de rencontre sympa. Enfin, peut-être, ça peut être... Mais non, c'est pas un lieu de rencontre, mais genre, c'est avec des potes et tout, ça peut être cool, quoi. Ok, pour manger sur le pouce, dégoûtant. Ouais, je dirais pas dégoûtant, même si des fois, il y a quand même des trucs dégueulasses. Hein. Moi, la fois dernière, j'ai demandé un truc, je me suis fait servir le machin glacial, je demande sans fromage, on me fout du fromage, je demande du pain, blé complet, on me donne du pain tout court. Non, mais des fois, ouais, c'est vrai que c'est bouf. Sympa et chaleureux. Ouais, je dirais sympa et chaleureux. Enfin, chaleureux, je sais pas si c'est le meilleur mot, mais sympa en tout cas, ouais. C'est sympa quand t'es avec des potes, t'es tranquille. Juste... Sur l'autoroute, vous faites doubler par une Ferrari, vous pensez. Sympa. Je suis sûr que le conducteur est un branleur. Ils n'iront pas plus vite. Pas surprenant, vous allez seulement à 50 km/h. Bah. J'hésite entre la version un peu jalouse quand même que le mec ait une Ferrari à côté. Enfin, même si moi je préfère Lamborghini que Ferrari. J'ai trop envie de faire quand même. Ouais, c'est un branleur. Tu vois, parce que j'ai quand même le seum que le mec ait une belle bagnole et que moi j'ai une Fiat Pandoo. Ou sinon, ouais, pas surprenant. De toute façon, on voit qu'il y a 50 km/h donc il peut pas l'utiliser sa belle bagnole là, sur l'autoroute. Moi je ferai ma mauvaise foi. Je ferai de toute façon, ouais, je suis sûr que le conducteur c'est un branleur. Allez, mauvaise foi. Mauvaise foi, foi. La vie, c'est fun, ce que vous en faites, la famille. Qu'est-ce que ça fait cucu, sans déconner, de dire la famille? Oh, franchement, non, c'est la famille. C'est ni plus ni moins que la famille. C'est ce que vous en faites. Voilà ce que c'est. Elle peut être très belle ou très pourrie en fonction de ce qu'on va faire. Et du coup, ça va impacter sur le futur. Vous retrouvez un vieux t-shirt dans votre placard. Vous ne pouvez pas croire que vous avez déjà porté ça et vous le jetez. Le gardez pour décorer, donner à la charité, vous le mettez. Vous vous demandez comment vous avez pu un jour rentrer dedans. Un placard. Donc, ok, si je trouve un vieux t-shirt dans mon placard. Donc, déjà, ne pouvez pas croire que vous avez déjà porté ça et vous le jetez. Déjà, s'il est en bon état, je le jetterai pas. Je le donnerai à la charité si c'est un t-shirt que je n'aime plus, que je ne mets plus ou qui était... quand j'étais plus jeune et du coup il est trop petit. Donc ça c'est clair et net, je donne à la charité. Je le garde certainement pas pour décorer. S'il est encore franchement je trouve simple, bien, je le mets. Si c'est un bon t-shirt, je le mets. Si c'est un vieux t-shirt qui est trop petit, bah je le donne à la charité. Donc je veux dire je le mets. Moi ouais, je veux dire je le mets. Parce que si c'est encore un bon t-shirt, je le mets quoi. Alors, vous assurez de bien l'autre. Alors, vous terminez votre plat au restaurant. Vous assurez de bien aller aux toilettes avant de sortir. Commandez un café, videz le plateau dans la poubelle. Demandez si les pourboires sont inclus. Vous demandez dans quel bar aller ensuite. Donc, j'hésite entre vider le plateau dans la poubelle. Mais attends, non, au restaurant. Donc, au restaurant, genre, c'est un flunch, un McDo, ou c'est un vrai resto? Non, je vais juste aux toilettes. Voilà.
je vais juste aux toilettes avant de sortir. Donc là, on arrive à la question 20. Je vous rappelle, je fixe l'objectif de 20, 25 ans. Parce que j'ai 22 ans, d'accord ? Je ne suis pas une mamie, Kiki n'est pas une mamie. Les anniversaires sont un moment pour se retrouver en famille. Un moment pour se saouler. Alors déjà, se saouler, c'est pas la peine puisque je ne bois pas d'alcool. Un moment pour les cadeaux. Quelque chose qu'il vaut mieux ignorer, merci. Bon, les anniversaires, c'est quand même un moment pour les cadeaux, hein. Hein ? Je vais quand même pas... On va pas cracher dans la soupe. Voilà. J'ai 32 ans. Ça pique. J'en ai 22. Ils m'ont rajouté 10 dans la tronche. Je suis vraiment dégoûtée.